What's up guys, it's Stoneboy DBO avec DBO, même si elle aime pas ça qu'on l'appelle BBO, Miss DBO. Yes. Sur ça, on commence un petit jeu aujourd'hui, c'est pas un gaming game. Non, non, t'as bien compris, on joue à un petit jeu qui est connais-tu ton conjoint ou ta conjointe? Je suis excité. Ça va y aller au tour, j'espère que vous êtes ready. Legend baby, let's go! Fait que là, aujourd'hui, on va jouer à un jeu amusant, en couple. Fait qu'on va se poser des questions un à un, puis pour savoir qui se connaît le mieux entre nous deux, puis on va accumuler des points avec ça. C'est sûr que je gagne. Ta gueule. Le nom du jeu, en fait, vous pouvez trouver ça sur Internet si ça vous intéresse de le faire avec votre conjointe ou votre conjoint. C'est « Connaissez-vous votre conjoint? » En gros, ça commence, c'est simple, c'est facile. Mais après ça, c'est des questions un peu plus difficiles, modérées, puis ça finit que c'est vraiment dur, puis c'est là que tu te pognes. Fait que ça part! Là, en gros, là, il y a trois niveaux de difficulté dans le jeu. Level 1. Les questions basiques. OK, fait que le nom de tes parents, j'ai écrit Paola Gaétan. Le nom de tes grands-parents paternels, j'ai marqué Suzanne, puis ton grand-père, je me souviens plus c'est quoi. Maternelle, j'ai marqué Alfonso, parce que je l'appelle mon cochon d'Inde de même, pour ton grand-père. Puis tu m'as dit non, mon grand-père s'appelle de même. Puis Natacha et Jonathan pour tes frères et sœurs. En fait, pas les grands-parents, Suzanne, c'est pas ma vraie grand-mère, c'est ma belle grand-mère. Puis j'ai une grand-mère qui s'appelle Carmela. Et oui, c'est vrai. Ma vraie grand-mère s'appelle Diane. Ah, ça, je savais pas. Et décédée. Ouais, je sais. Ok. Mon tour. Ouais, tes parents, Ginette et Monsieur André. tes sœurs, Mélanie, Natacha, je sais que t'as d'autres sœurs, mais je sais pas c'est quoi leur nom, parce qu'on les voit pas réellement. Jamais ben, en fait, j'ai juste jamais rencontré en 4 ans. Pis tes grands-parents, j'ai aucune colise d'idée, je t'ai jamais demandé. Mais le monde ne savent pas que Andrea est un bébé qui n'était pas prévu et que ses sœurs ont genre 40 ans. Puis Andrea, c'est vraiment un petit bébé. Ses parents, ils ont 65 ans. Fait que tes grands-parents, je soupçonne qu'ils sont décédés. Ben là, oui, hein? Ben c'est ça. Fait qu'on en a jamais parlé. Non. Tu les as jamais rencontrés, je pense. Ben oui, je dis. Ah, ok, mais tu m'en as jamais parlé. Ben les parents à ma mère, non, mais les parents à mon père, oui. Ouais, mais tu m'en as jamais parlé. Non, on n'a jamais été là. Bon, ben c'est censé être des questions basiques, mais ça ben là, c'est pas trop basique. Ben la réponse c'est oui. La réponse c'est oui, les deux, on veut un pug, puis en ce moment on a notre petite lit. Qu'est-ce que c'est un point chacun? Ben oui, là. Fait que c'est 2-2. 2-2. Moi j'ai écrit le bleu. Et le rose. Bonne réponse. Ah oui? C'est ça? Ouais. En plus, j'ai vraiment guessé. Ouais, j'aime bien le noir, mais le noir, c'est pas une couleur. Ah, c'est ça, je me disais. Ok. Mais oui, t'as raison, à point. Parfait. T'en as tellement, là. T'en as vraiment beaucoup des amis, là, pis c'est de la misère à déterminer c'est qui, là. Mais je dirais peut-être. Michael, vu que ça fait longtemps que tu le connais. Ouais. Pis toi, c'est Audrey. Oui. Ok, j'ai écrit des sushis. Non. Hein? Mon plat préféré, c'est la lasagne et je le mentionne tout le temps. Toi, ton plat préféré, c'est les sushis. Oui. Oh, c'est vrai, c'est ça qui est le fun. Oh, c'était l'edge. Level 2. Des choses amusantes qui vous concernent tous les deux. Ta-ta-ta. Est-ce que tu abandonnes puis que non, tu donnes ton point? Non, attends. Tabarnak! Tu me connais mal finalement. Tu me l'as jamais dit. Ouais, mais tu me poses toutes ces questions-là. Donc, ma réponse, c'est Kobe Bryant. Ouais. 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 Non. Non? Ça va? Moi, ma réponse, ça serait Hannah Montana parce que Miley Cyrus l'a tué. Ah, ok. C'est de la bouche. C'est un. Fait que c'est 5 à 5. Non. Ah, oui. Oui, ok. C'est pas de problème. Bon.
Pour la réponse, moi j'ai écrit le moment où tu t'es bêché et tu t'es cassé le genou sur la glace, tu t'empêcherais ce moment d'arriver. Non, je pensais même pas à ça. J'aurais pensé quand tu m'as posé la question à « Ah, oh, ben j'aurais pu revivre tout mon secondaire, c'était vraiment nice. » Ok. Fait que ça aurait été ça. Ok. Puis toi, j'ai marqué « Avant Kevin, pour jamais vivre avec un Kevin. » Ok, B. Merci. Avant ça, Kevin, son ex. Ok. C'est fait que avant Kevin, pour jamais vivre avec un Kevin. Prop, ça peut être ami Kev en passant. Ouais, mais Kev, c'est pas le même. Là. On parle de ton ex. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Oui, mais en même temps, je t'aurais pas connu. Ouais, mais là, c'est ça. Fait que t'es rendu 6 à 5. Ouais, t'as raison, je te le donne. Ok, ma réponse, c'est mon setup. Moi, ma réponse, c'est moi. Je suis obligée de te donner, tu sais. Ouais. Puis moi, je dirais vraiment. Ben, pas vraiment là, mon setup, je le partage avec Tyler quand il vient des fois. Je le partage avec toi. Là, personne. Moi, j'aurais écrit toi. Non, mais toi, je te partagerai à personne. Mon setup, je le partage. Ok. C'est pas bon. Mais admettons que. Non, y'a pas de problème. Écoute-moi. Ok. Hachi vient jouer à la maison. Ouais. Okay? Salut Hachi. Viens jouer à la maison. Il a son setup, toi, le tien. Il dit, hey, à soir, je prends ton setup, tu prends le mien. Ben là, non. Ah! Ok, je te donne la question. Mais c'est parce que jamais avec personne. Okay. Tu comprends? Ok. Non, c'est 7 à 5 pour moi. Hachi. Ah, je sais ce que je fais. Je sais qui je serais. Ok. Moi, ma réponse, c'est Captain America. T'as raison. Ma réponse, ça serait Wanda. Oh, on a regardé le même pot. La raison pourquoi ce serait Wanda, c'est que c'est sûr que si je mourrais, puis tu pourrais me reconstruire. Ouais, c'est vrai pour ça. C'est la réponse que j'avais. Ouais. Fait que c'est 9 à 7. Ouais, malheureusement. C'est quoi ça? Personnage de fiction, c'est comme des dessins animés ou quelque chose qui existe. Ok, fait que ça pourrait être un personnage d'appel. Non, personnage de fiction. Ben. Ben oui, là, c'est une fiction, là. Ok, ben là, tu me donnes trop d'indices, là. Parce que c'est un personnage qui n'existe pas. Fuck, je me souviens plus que tu joues à Apex. Fuck! C'est pas ça, fuck off. Ok, moi, ma réponse, c'est Pathfinder. Non, c'est vraiment pas ça. C'est quoi? Mon personnage de fiction préféré, c'est Marcus dans Gears of War. Ok, j'aurais jamais... Oui, c'est ça. Chris. J'aurais jamais trouvé moi, ça. Moi, j'ai même pleuré en jouant à la campagne de Gears of War. Marcus avec Dom dans Gears of War 3, ça m'a marqué à vie. Gears of War est une des seules campagnes que j'ai réellement aimé, que j'ai réellement écouté. Fait que j'ai avec mon personnage, c'est Marcus. C'est maintenant 9 à 7. J'aurais jamais trouvé ça. Non, c'est 10 à 7. Ok. Non. T'exagères. 9 à 6 d'abord. Non. Y'a de quoi qui marche pas? Parce que là, t'as genre 3 questions que t'as pas eues. Level 3. Pour les experts. Reese. Ok. Égalité. La saveur que tu me demandes tout le temps à l'épicerie, là. Peu importe, là. Ouais. C'est ketchup. Non, les Ruffles Nature avec la petite sauce, puis j'ai marqué la même chose pour toi. Non, moi, c'est pas ça. Ah, ok. C'est quoi? Ben, moi, c'est bois de pommier ou des réguliers. Bois de pommier? Les mauves, là, de... Ah, ouais. Mais moi, c'était Ruffle Nature avec la petite sauce. Non, mais y'en a pas j'en mange pas souvent, mais quand j'en mange, j'en mange. Mais tu me demandes pas des chips au ketchup? Parce que Chris, les chips au ketchup, je suis capable d'arrêter d'en manger. Les Ruffle Nature avec la petite sauce, je suis pas capable. C'est pour ça que je demande des chips au ketchup. Ok. J'ai la petite routine là. Tu te décrottes les yeux, tu te pognes la poche, pis tu check ton zin. C'est crissement ça que tu fais. T'as trois étapes. Ouais. On ouvre les yeux pour voir, parce qu'on voit pas grand chose, c'est croûté en tabarnak, ok? Tu sais, j'ai sacré. Après ça, on se pogne la poche, bien comme du monde, pis le zin. C'est ça ta routine. Pis après ça, je chante mes doigts. Pis, moi j'ai marqué chialer.
Parce qu'à chaque fois, je te réveille dans la nuit, tu chiens. Non, c'est pas le matin. Hey! La première chose que je fais le matin quand moi je me lève, c'est pas ça. Ok, c'est bon de voir. Je vais faire pipi. Ouais, c'est bon. C'est ça. Fait que c'est rendu 12 à 9. Yes! Ok, ma réponse pour toi, c'est... Toi, là, tu parles tout le temps, ok? Dans toutes les situations. Mais quand tu parles pas, c'est pas normal. Si tu dis pas ton mot, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, que t'es pas à l'aise de gérer, pis tu fais juste skip, pis tu t'en vas. Genre, t'es comme, non, moi, j'assiste pas à ça. Quand t'as quelque chose à dire, c'est ça. Ouais. Pis je dirais la même chose pour toi. Tu vas esquiver la question, tu vas juste rien dire, pis tu vas juste être comme, ok. Fuck that. Genre, I'm not dealing with this shit. On réagit un peu la même manière. Ouais. Ok. Ma réponse, mes trois réponses. Ok. Manon Chalance, je m'en connais un peu, je te laisse faire que tu veux. Ouais. Tu sais, je m'en connais un peu. Après ça, mon humour. Ouais. Puis je dirais que le, quand je te gronde, quand je te fais des petites attentions. Oh, gentil. Moi, je dirais mon humour, ma personnalité, puis mon pénis. Mon humour, ma personnalité. Ouais. C'est pas pour moi, je trouve. Bon choix. Fait que tout ça pour dire que on a terminé. Ça finit 13 à 11. Et on se connaît quand même bien pour un coup. Ouais. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Sur ce, oubliez pas de follow, de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à mon TikTok, vous abonner à mon Twitch channel, mon Instagram. Et marquez dans les commentaires si vous avez aimé ce style de vidéo-là. Et si vous voulez, vous pouvez marquer dans les commentaires des questions que vous aimeriez poser à Bibio. On pourrait peut-être faire une vidéo YouTube sur la vie de Bibio. Ça serait bon. Merci et bonne soirée. We legend, baby.